Donc vous, votre slogan, c'est le groupe le plus hardcore de France. Voilà. Pourquoi ça? En fait, c'est pas, c'est pourquoi, pas pourquoi ça, quand on dit ça, mais c'est vous qui le dites, tous les gens. Je fais pas partie des gens qui s'auto-proclament meilleur RMC, meilleur mes couilles. Ouais. C'est juste qu'on a considéré que avec notre carrière de rap, on nous boycotte un peu partout. Les gens nous disent à chaque fois vous êtes trop hardcore, on peut pas jouer vos sons, on peut pas jouer vos clips, on peut pas jouer vos trucs. Donc voilà, c'est sorti comme ça, quoi, voilà, tout naturellement. C'est-à-dire qu'ils nous demandent tout le temps de faire des sons un peu légers parce que soi-disant on dit des choses un peu trop crues, de manière trop crue, ou alors c'est alors que c'est que la vérité qui est tout simplement trop crue, quoi. Ouais. Donc ouais, les gens ils veulent pas regarder la réalité en face, tu vois. Donc ils veulent des. Bah, ils veulent des rappeurs un peu qui. En fait, les rappeurs maintenant, ils sont fashion. Voilà, unique, tu vois. Ils essaient de faire du rap pour les radios, tu vois. Nous, on fait du rap pour les gens qui écoutent, tu vois. Donc, on dit ce qu'on pense. Nous, c'est, on s'est mis à rapper, tu vois. C'est pour dire des choses. C'est pas pour juste passer à la télé ou passer à la radio, tu vois. Vous, ouais. Peut-être au bout d'un moment, vous serez peut-être aussi confronté à ça. Genre, bah, on irait peut-être en plus. Franchement, nous, avons décédé, tu vois. Et là, c'est encore avant. Tu vois. Mais c'est pas une raison, quoi. Je veux dire, à la base. Nous, on fait du rap pour dénoncer des choses, dire des choses. Ouais. On n'est pas là pour se faire un chiffre d'affaires et se barrer en vacances, tu vois. Les gens, ils veulent suivre la majorité, tu vois. Nous, on a une minorité, peut-être, tu vois. C'est une minorité, mais qui, pour l'instant, elle est invisible. Mais ça va venir que, tu vois, il va y avoir des rappeurs. Voilà, il y a eu un rappeur il n'y a pas longtemps, là, super hardcore, tu vois, un peu dans le délire, et qui va faire un beau top, tu vois. Voilà, je le salue parce que justement il a participé à notre projet, c'est LIM, tu vois. Ouais. Et voilà, des mecs comme lui, des mecs comme Larsen, tu vois, qui pareil gravitent autour de nous. Et c'est des mecs hardcore, mais qui vendent aussi, tu vois. Donc ça veut rien dire. Voilà, ouais, après le morceau, ça tombe pour un flic. Donc quand tu traites un sujet comme ça, voilà, tu vas pas avec le bout de la cuillère, tu vois, tu dis franchement, ça va dans notre démarche de 4 soleils que nous on dit voilà ce qu'on ressent, quoi. On n'est pas là pour se dire tiens le mec de Skyrock il va flipper, ou le mec de je sais pas où il va flipper, il va pas le passer. Nous on sait que le son il va tourner, c'est pour ça qu'on a mis aussi le clip en format téléphone dans l'album pour que les gens le fassent tourner. Je sais qu'on m'a dit que ça tournait un peu, hein, dans les prisons, il y a des gens qui ont vu notre clip en prison. Donc, vous salue, tu vois, ça fait plaisir. Et voilà, quoi. Mais il y a déjà des groupes qui ont déjà eu des problèmes en insultant la police ou en insultant l'État et tout ça, vous avez pas peur Nous en fait tu vois le morceau police, tu vois, on l'a fait bien avant qu'il y ait eu les incidents, tu vois, et malheureusement il est encore d'actualité, tu vois. Mmh. Et on n'est pas les seuls à l'avoir fait ce tu vois, avoir fait un morceau sur la police, tu vois. Il y en a eu pas mal de groupes. Mais ils ont tous eu des problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, mais je crois qu'ils ont inventé les problèmes. Parce qu'il n'y a pas eu de problème en vrai. C'est juste pour se faire un coup au marketing. Bon, on a vu, ils ont été condamnés. Il y en a qui ont été condamnés. Genre de ministère amer, ANTM, Sniper. Dans cette liste-là, il y en a qui méritaient d'être. Enfin, on va dire qu'on fait vraiment des choses, tu vois. Mm. Et il y en a d'autres qui ont été condamnés. Et franchement, dans leur texte, ils disent rien de spécial, quoi, je te dis honnêtement, tu vois. Ouais. Nous, on recherche pas. Nous, si tu veux, on recherche pas un coup médiatique. Un coup médiatique. On n'a rien à foutre, la police, on s'en fout. La police, malheureusement, on l'a toujours connue de manière négative. Mmh. On ne dit pas qu'elle peut pas être de manière positive, tu vois. Mais quand on fait un morceau de rap pour les jeunes qui subissent ces choses-là, comme nous les avons subies, ça donne un morceau comme ça. Et on a voulu inviter Liam là-dessus parce que c'est quelqu'un qui est venu passer aussi pour en parler, tu vois. Mmh. Et honnêtement, les conséquences, on n'en a rien à foutre. Parce que ça fait longtemps qu'on vit dans un truc assez bordélique. Donc, si ça fait kiffer les frères du terrain, si ça fait réfléchir un peu les rappeurs, leur dire que, voilà, essayez de dénoncer des choses vraies, arrêtez vos tectoniques, vos rappeurs, je sais pas comment, dirty sound, tout ça, arrêtez tout ça, les gars. Faites du rap pour les vrais gens. Ici, il y a une culture à la française, du ghetto à la française. Il faut s'inspirer de ça. Ici, les musiques qu'on écoute, c'est du zouk, du makossa, du rail, de la funk, c'est tout ça, c'est pas de la dirty sound. Tout ça. Mais il en faut. Mais il en faut. Il faut tout. Mais faut justement, pas que tu rappes mais justement, mais ce que je veux dire, il y a des tendances. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des tendances. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, on va dire que ça revient le rap parkour. Mais les gars qui étaient parkour il y a 6 mois, là, qui dansaient avec des meufs à poil dans des clips, pourquoi maintenant vous venez sur le terrain du hardcore? Restez où vous y étiez. Donc, c'est ça qu'on dit, on fait du hardcore depuis le début. Et certainement jusqu'à la fin, tu vois. Et je te dis honnêtement, c'est ça qui nous fait chier. C'est qu'on voit des mecs qui, il y a 6 mois, ils se baladent en stream dans des clips.
aujourd'hui, ils viennent diffuser à pompe dans les clubs. Arrêtez ces trucs-là. Et c'est juste ça qu'on dénonce parce que le public n'est pas dupe. Ouais. Toi-même, tu n'es pas dupe. FIF, voyons. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Je vous raconte ça. Mais dans votre album là, il parle pas que de police ou de faux rappeurs. Bien sûr que non, c'est un vrai album, il y a 16 titres, ouais. c'est des titres bien travaillés. Enfin faut aller l'écouter, faut vraiment se pencher sur cet album là, allez voir le vous-même, écoutez, vous faites votre avis, puis voilà, ceux qui aiment ils aiment, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Chez Boyes par exemple, il a proposé de rembourser les gens. Qui, si jamais ils achetaient l'album, ils n'étaient pas satisfaits, ils les remboursaient. Qui le boss de Menace Record. Ouais, le boss de Menace Record. Donc, s'ils sont pas satisfaits, c'est remboursé. Donc, nous, pas. S'ils sont pas satisfaits, on va les frapper bien là. Non, mais voilà, tu vois, ils laissent un commentaire sur le MySpace, tu vois. Gros, la pète. Il y a trop de chiens, c'est bête, ton père est mort. À la base, on est deux, tu vois. Maintenant, ouais. Il y a un mec qui s'appelle Belly Blanco, c'est un rappeur qu'on respecte, qui fait partie de notre famille, au-delà du rap et même dans le rap. Tu vois, c'est un peu si tu connais Mobb Deep, tu connais Big Noid. Bah, si tu veux, on pourrait dire que c'est un mec comme Big Noid, il apparaît, il vient, il fait ses projets. Okay. D'ailleurs, il prépare son album aussi, donc on est là pour le soutenir aussi. Donc voilà. C'est-à-dire, il fait partie et en même temps, il fait son solo, tu vois, voilà. Et on le supporte. D'ailleurs, il est dans l'album, il est dans 3-4 morceaux de l'album avec nous, sans problème, on le voit dans le clip avec Alpha 520. Mmh. Et voilà. Alors, retenez bien ce nom-là, Belly Blanco. C'est un gars qu'on soutient, c'est un gars de chez nous. Nous, c'est voilà, 94, nous, c'est Champigny-sur-Marne, quartier du Bois Labbé. Voilà, c'est un quartier qui est connu dans toute la France. Ouais, un peu. Donc voilà, tu vois. Beaucoup. Voilà, donc c'est cool. Et on essaie de représenter ça. Donc pour tous ces gens-là qui viennent de ce quartier-là et des autres quartiers, parce que les quartiers sont plus ou moins les mêmes, tu vois. Il fallait le. Il faut des rappeurs qui disent les choses crûment. Quoi. Mais il y en a déjà eu. Il y en a, bien sûr. Voilà. Maintenant, on ne dit pas qu'on est les seuls. Ah. Non, on sert notre soupe à nous, tu vois. Ouais. Notre façon de le faire. Et puis voilà, faut ceux qui aiment bien ce genre de rap-là, qu'ils aillent écouter, qu'ils aillent voir. Et puis voilà. Après, il faut de la diversité, on est d'accord, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas genre un sexe. Tant que le message, il est sincère, après, peu importe, tu vois. Mais il faut que le message soit sincère. C'est tout. Il y a des sujets, tu vois, sur lesquels on est un peu sérieux parce que ça touche vraiment nos familles, ça touche vraiment des gens proches, ça touche un peu les banlieues, tu vois, et on doit les dénoncer, tu vois. Mmh. On peut pas se permettre d'arriver, ouais, maintenant, les gars, ils sont arrivés où ils sont arrivés, tu vois, ils ont réussi au machin, et après, ils oublient les autres, tu vois. Le chiffre 400, on l'a pris, c'est par une référence aux 400 ans d'esclavage, tu vois. Mmh. Et on considère qu'ici, on vit dans un système où nous ont mis dans un état de hyène. C'est-à-dire, on n'arrive pas à monter socialement, pour manger c'est dur, faut se battre contre le lion qui représente un peu la police, les pouvoirs et tout ça. Et donc on a fait un parallèle entre les 400 ans d'esclavage et l'animal hyène qui nous représente, nous, les gars de cité, mieux que le lion, quoi. Tu vois, les gens, ils veulent jouer les lions, mais il n'y a pas de lions dans la cité. Et c'est que des hyènes, tu vois. C'est quand tu prends en voiture, on parle. Et voilà. Pas croire à les clips où il y a des Porsche, tout ça, c'est pas vrai. Ça va mal dans le ghetto. Et donc, nous, on rappe pour tous ces gens-là, tu vois. Parce que la majorité, c'est ces gens-là, quoi. Donc, vous, en fait, le rap un peu, les bling-bling, vous êtes contre ça, vous n'aimez pas ça, quoi. C'est pas qu'on n'aime pas ça. On laisse les gens le faire, mais nous, on le fait pas, quoi. On le fait pas, parce que ça ne ressemble pas. Et en plus de ça, comment tu peux dénoncer des choses et derrière afficher des on va dire des signes extérieurs de richesse, tu vois, tu te fous de la gueule de qui? Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui mangent pas ou qui ont du mal à joindre les deux bouts, et toi t'es là avec des Porsche, des bling bling, des machins, des machins. Tout c'est des locations, tu les rends en plus, voilà. Après, tu rentres en super 5 plein de sphères. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, tu vois, ils ont la philosophie de vendre du rêve. Nous, on vend pas du rêve, on vend la réalité. On vend le cauchemar français. On vend la réalité, c'est tout. On vend le cauchemar français. Le rêve, on laisse ça aux autres, tu vois. Alpha 520, il y a Larsen, il y a Delta d'Express D, hein, qu'on salue aussi et qui sort aussi son projet. Il y a l'émeute. Il y a l'émeute, hein, les gars de chez nous, et donc Belly Blanco aussi. Et voilà quoi. Et Jarrah aussi. Le gars qu'on salue aussi,
qui est quelqu'un de très humble et très respectueux, et qu'on respecte énormément, et avec qui on a fait un très bon morceau qui s'appelle Les Chaînes de l'Esprit. Nous, on est là pour donner quelque chose, tu vois, au-delà du fait qu'on vend le disque, il a 10,90 le disque, tu vois. Et franchement, on l'a mis un prix accessible parce que on n'est pas là pour s'en recherche, je te dis honnêtement. Nous, le but, c'est. On en a marre, tu vois, parce que, en fait, quand c'est un truc un peu personnel, mais quand quelqu'un dit ah, tu fais du rap, il t'associe à des gens qui ont oublié toutes les valeurs du rap. Donc ça me fait chier. Donc nous, on essaie de ramener le rap à ce qu'il est, comme on l'a toujours connu, tu vois. Il y a des gens qui, à l'époque, ils ont découvert Lunatic. Aujourd'hui, ils ont pris de l'âge, de la maturité, ils ont plus envie d'écouter les conneries qu'on nous bassine aujourd'hui. Ouais, SMS, texto, et on entend beaucoup de les mots qui sont de tendance. Et on entend beaucoup de gens dire ouais, maintenant le rap c'est plus ce que c'était, machin, truc, tu vois. Parce que voilà, avant il y avait un message, des messages forts. Maintenant, franchement, quand tu regardes bien, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté carrément d'écouter du rap français, ils écoutent que du carry. Parce qu'ils se sont dit, voilà, maintenant, dans le rap français, il y a quoi ? Il y a rien, tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui représente, il n'y a personne qui parle de vraies choses. Tu vois, et quand je te parle de Dirty South, c'est pas que je suis contre la Dirty South, tu vois, c'est un avoir, justement. Mais c'est juste que culturellement, ça ne correspond pas à la France, tu vois. Il ouais. n'y a pas sur les Dirty South, c'est pas vrai. Et les mecs avec des dents en or, des fourrures, des meufs de fou, il n'y en a pas dans les soirées ici. Enfin, moi, je n'ai pas vu mon cas. Je pense que vous avez vu ça, là. Arrêtez ces trucs-là. Non, c'est ça, c'est juste ce truc-là. Mais sinon, bien sûr que la Dirty South, il y a du bon son, tout ça. Nous, des fois, on écoute, avec un riz, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas une guerre qu'on fait contre ces trucs-là. Mais si tu veux, c'est révélateur que le dernier rappeur à la mode, il a fait un son Dirty South. Allez, je vais montrer que je sais le faire. Bah, c'est comme me dire Fatal Bazooka qui fait du rap. Voilà, c'est pareil. Quoi. Pour nous, c'est pas du rap. Mais vous avez pas peur d'être genre catalogué comme haineux ou aigri un peu ? Pas du tout. Si on était haineux, franchement, on ferait même pas cette musique, je te dis honnêtement. Nous, chez nous, je veux dire quelque chose. Chez nous, quand on arrive des conflits, on n'arrive pas avec des chansons. Ça, c'est clair et net. Et les vrais gens, ils savent ça, ces trucs-là. On règle pas les conflits avec des chansons. Ceux qui clashent, qui font des conneries comme ça, d'insulter l'autre, des trucs comme ça, c'est des zoulettes. Nous, on fait pas des clashs. Seulement. Comme on est en train de faire un interview sérieux, dans un site sérieux, avec des gens sérieux qui vont me regarder, on est en train de dire que nous, on sert une telle musique, elle s'oppose naturellement à toutes les conneries que nous considérons comme des conneries, mais c'est pas une haineuse, je suis juste en train d'argumenter la musique qu'on fait, c'est tout, tu vois. Je peux vous donner une adresse MSN. Alors c'est Layen, L-A-H-Y-E-N-E, 94-500, Hotmail. @hotmail.fr. Vous vous connectez sur cette adresse là et il y aura quelqu'un qui va vous envoyer l'album Ghetto Prodige, qui était l'album qu'on avait sorti avant, pour faire découvrir un peu plus l'univers 4 semaines si vous ne l'avez pas découvert. Et puis voilà, tout ça gratuit pour vous quoi. Mais allez voir Perry Jeune, allez l'écouter, allez voir ce que c'est, et puis au moins vous aurez un avis à donner sur le sujet. Après le corps en une, tu as le cri. On a les crocs et puis les douilles, découvre pas que tu décolles un deck. Là les techs, négro, c'est misto, bloc, hey. Manger la courbe, fais ça pompe dans le froc.